Bon, allez, on est dans un vieux berger de pruniers, voilà. On est là, on est en train de faire la taille, comme tous les années. Il y a la taille, il y a le traitement, il y a tout, bon, il y a beaucoup de choses. Voilà, et le prunier se forme par un arbre qu'on plante, et après il y a le tronc, après le tronc, après la mer. Après la mer, on va avoir les sommaires, et après on a les latérales. Donc après, on fait cette taille en fonction d'avoir une production que ça puisse nous permettre de travailler. La ferme Roc, terroir de choix pour la culture de la prune dente depuis 45 ans, zone de production du pruneau d'Agen sous IGP et mieux encore. Nos vergers engourdis par les brumes et gelées de l'automne annoncent la période des plantations et de la taille des pruniers dentes. La taille est une tâche considérable qui sera effectuée jusqu'à la fin de l'hiver et demandera environ 150 heures de travail par hectare. Du fait de l'air, de la lumière et des soins attentifs dont profitent nos pruniers, les fruits qu'ils produisent disposent d'un goût et d'un calibre inégalables. Il s'agira d'une taille de formation pour les plus jeunes arbres fruitiers et d'une taille de fructification pour les adultes. Au cours de l'hiver, nous préparons le sol à recevoir un apport conséquent d'engrais organiques, tels des fientes de volaille, du fumier de mouton, des tourteaux végétaux à raison d'une à deux tonnes par hectare. Assimilés par le prunier, ces éléments nutritifs permettent le développement optimal de ce dernier, de l'éclosion de ses bourgeons jusqu'au début de l'été. Il convient d'ajouter que des compléments foliaires peuvent être envisagés pour les pruniers dont la charge en fruits est très importante. Tel un véritable trésor, le pruneau présente de multiples vertus connues depuis l'Antiquité et devient célèbre à travers le monde au XVIIe siècle. Le prunier dente, lui, voit le jour dans le sud-ouest au cours du XIIe siècle, grâce aux moines bénédictins de Clairac. À partir de greffons de pruniers d'Orient rapportés à l'époque des croisades, les moines, bien conscients de la haute qualité des terres argilo-calcaires du Lot-et-Garonne, réalisent un croisement entre le prunier de Damas et d'autres variétés de prunes locales de l'espèce Prunus domestica. Il crée ainsi une nouvelle variété baptisée prune dente, de l'ancien français anter, qui signifie greffer. Et dans le même temps, les moines au fait des techniques de séchage au soleil de la prune donnent naissance au pruneau d'Agen. Aujourd'hui, ce fruit améthyste dehors, doré dedans, continue de s'épanouir pleinement sur nos terres de Gascogne. Au printemps, les pruniers dentes bourgeonnants et florissants parent nos vergers de différentes nuances. Si les corolles des fleurs rappellent la couleur de la pureté, les rameaux apportent des touches brunes et rougeâtres, les feuilles se chargent des teintes verdoyantes. Admirez plutôt. La beauté printanière de nos vergers atteint son paroxysme dès lors que les abeilles s'en mêlent. Bien que la prune dente soit une variété auto-fertile, excellente pollinisatrice à elle seule, notre ferme a fait le choix de renforcer sa fructification en recourant à la pollinisation croisée avec les abeilles. En prélevant le nectar des fleurs de prunier, les abeilles chargent leurs pattes de pollen. Elles répandent ce dernier de fleur en fleur, favorisant ainsi leur fécondation et le développement optimal de nos prunes. Ainsi, leurs ruches sont installées à proximité des pruniers dentes afin de maximiser la pollinisation croisée. Rien de tel qu'un échange de bons procédés. Le printemps s'achève, la floraison de nos pruniers dentes suit. Les jeunes pruniers formés, l'ultime récompense de la récolte des prunes dentes approche. Notre ferme est en effet un point d'honneur à cultiver ses fruits en recourant à l'agriculture raisonnée qui consiste à allier les techniques agricoles actuelles, voire de pointe, à notre traditionnel savoir-faire. Notre domaine est le résultat d'une combinaison alliant valeur, technicité et quasi-dévotion pour la prune dente, à l'image de son couple de propriétaires, Sandrine et Pascal Roc. Thank you.
Dès la fin de l'hiver et jusqu'au moment de la récolte de nos prunes dentes, nous procédons à différentes interventions assurées par le passage du pulvérisateur attelé au tracteur dans le verger, en vue de déposer différents produits sur le prunier. Les maladies principales du prunier sont parfaitement ciblées et traitées au moment opportun en collaboration avec notre technicien arboricole. Depuis 12 ans, nous avons basculé dans un mode d'agriculture raisonnée et avons obtenu la certification AREA, agriculture respectueuse de l'environnement en Aquitaine. Cette méthode nous permet aujourd'hui d'éliminer plusieurs traitements pesticides traditionnels et de les remplacer par des produits labellisés bio, et ce notamment dans le traitement du Carpocaps par confusion sexuelle. Pour obtenir cette certification, nous avons investi dans le système de dégradation des effluents phytosanitaires Héliosec, ainsi que dans une plateforme de lavage du pulvérisateur permettant une séparation des eaux de nettoyage et des effluents phytosanitaires. La température extérieure monte de quelques crans, prélude de la récolte de nos prunes dentes, connues également sous les dénominations enchanteresses de dattes d'Agen, robe de sergent ou encore French prune. Pour pallier aux fortes chaleurs, l'irrigation de l'ensemble des vergers de pruniers est assuré par un apport d'eau uniquement lorsque celui-ci est nécessaire. Son déclenchement s'effectue grâce à des tensiomètres qui permettent de mesurer le taux d'humidité du sol, puis par des micro-jets qui apportent au rang la quantité d'eau utile à l'arbre. L'eau est un élément capital au développement du prunier ainsi qu'au plein épanouissement de ses fruits. Même si nous nous sommes attachés au tableau printanier que nos vergers ont précédemment révélé, nous pouvons désormais tomber sous le charme du spectacle qu'orchestre l'été. Celui de la complémentarité des couleurs s'inscrivant dans un cadre florissant. Les prunes dentes revêtent leur robe violette et leur pruine protectrice, rehaussée par l'intensité verdoyante des feuillages et des herbacées. Mettez-vous au vert. La récolte de nos prunes dentes est imminente. Au vu de la fructification importante de nos pruniers dentes, la récolte des fruits s'effectue de manière mécanisée grâce à nos récolteuses, également appelées corolles. Non seulement cette machine impressionnante provoque des secousses permettant l'ultime chute des fruits, mais elle permet aussi de répartir les prunes dans les palox, caissons de bois dédiés au transport précédant la phase de séchage sur notre exploitation. Les pinces engendrent de délicates vibrations au niveau des troncs, dans l'optique de ne déverser que les prunes les plus mûres. Car l'idéale maturité des prunes favorise leur séchage et apporte un goût unique au pruneau mi-cuit. Si le vacarme de la récolteuse est de mise, le défilé de nos fruits juteux et sucrés compense amplement le bruit assourdissant. Une fois les prunes dentes récoltées à pleine maturité, vient l'opération de séchage
consistant à déshydrater le fruit en vue de le transformer en pruneau. Grâce à l'encléieuse, les fruits sont lavés, triés, calibrés en lots homogènes, puis répartis sur les clés. Il s'agit de la phase d'encléage. Tels des plateaux géants superposés sur des chariots, les clés constituent les supports des futurs pruneaux d'Agen dans les tunnels de séchage. Introduits à intervalles horaires réguliers dans les fours chauffés entre 70 et 80 degrés, il faut compter une vingtaine d'heures pour que la prune devienne pruneau. Les tunnels de séchage, puissamment ventilés, peuvent sécher jusqu'à 10 tonnes de prunes par jour, sachant qu'il faut environ 3 kg de prunes d'Ante fraîche pour obtenir 1 kg de pruneaux d'Agen. Dès lors que les pruneaux sortent des tunnels de séchage, ils sont ensuite décléés et triés manuellement sur le tapis de triage. Comme toutes les autres étapes, l'opération de tri est très importante, car elle permet d'éliminer les fruits abîmés et de répartir les pruneaux qualitatifs en fonction de leur devenir, mi-cuits ou transformés. Au fur et à mesure que les pruneaux d'Agen sont triés, ils atterrissent dans les palox en bois garnis de poches alimentaires dédiées au stockage avant transformation et ou conditionnement. Suivez le rythme. Le tri achevé, les pruneaux d'Agen sont entreposés dans nos locaux appropriés, à l'abri de la lumière, à température et hygrométrie constantes. Notre stock de produits finis et de matières premières à transformer voit donc le jour. Pendant ce temps-là, nos idées d'innovation et de perfectionnement germent constamment. Si certains pruneaux d'Agen mi-cuits sont destinés à rester ainsi, les autres seront utilisés dans les produits que nous transformons au sein même de notre exploitation. Nos joyaux pourpres sortis du tunnel de séchage, ils subissent une légère pasteurisation avant leur conditionnement en sachet, garantie d'une longue conservation sans perte de valeur nutritive. S'annonce alors un véritable florilège de produits, tous issus du pruneau mi-cuit, crème de pruneau, pruneau fourré, enrobé, biscuit, et autres barres énergétiques. En plus des saveurs authentiques et enthousiasmantes de nos produits à base de pruneaux d'Agen, nos prunes d'Ante mi-cuites s'introduisent parfaitement dans les recettes sucrées-salées maison et les gâteaux pâtissiers tels que sabayon, clafoutis, sablé, craquant, moelleux et fondant. Cette liste d'exemples est non exhaustive. Imaginez et régalez votre esprit, votre corps. Riche en fer, calcium, potassium, vitamine E, fibres, antioxydants et sucres naturels, le pruneau est prodigieux pour la santé. Il renforce notamment nos systèmes immunitaires, osseux, digestifs et cardiovasculaires. Grâce à notre distillateur, la production d'alcool de prune fait également partie de nos savoir-faire et traditions. La méthode de distillation alcoolique permet de séparer les alcools éthyliques des autres éléments, et notamment l'eau. Elle participe également à l'obtention d'une eau de vie hautement qualitative. Les attributs de nos prunes d'Ante, leur fermentation et la méthode de finition de l'alcool de prune constituent aussi des opérations essentielles à la production d'alcool de qualité. Les phases d'évaporation, de condensation et de distillation se succèdent, jonglant ainsi avec les températures et les notes des arômes subtils de nos prunes d'Ante. L'eau de vie créée, il ne reste plus qu'à la goûter afin de juger son niveau de qualité
et patienter de son vieillissement qui exaltera la dégustation. Et tant qu'à faire, procédons à cette dernière ensemble, chaleureusement entourée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain que c'est bien. C'est bien. Comme notre production de fruits, celle de notre alcool de prune est abondante. À l'aide de la tireuse, les bouteilles sont d'abord remplies une à une, puis bouchées à la main. L'alcool de prune se conserve plusieurs années après sa mise en bouteille, dans laquelle il ne vieillira plus. Maintenant que vous détenez les secrets de production de nos véritables prunes d'Antimie cuites, vous êtes chaleureusement conviés à visiter la boutique de la ferme implantée à Montesquieu, près d'Agen. Ouverte du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 19h, notre boutique regorge de pruneaux mi-cuits, de fruits de saison autres que le pruneau, ainsi que de trésors du terroir émanant de notre exploitation, mais aussi d'autres producteurs locaux.